Alors moi, je suis Thomas Pesquet, je suis astronaute de l'Agence spatiale européenne. J'ai été ingénieur dans ma vie, j'ai été pilote de ligne chez Air France. Et en 2009, j'ai été recruté pour la dernière promotion des astronautes européens. Et depuis, je suis allé une fois dans l'espace. Là, je me prépare pour y retourner une deuxième fois, j'espère. Quand j'étais à Super-Héros, effectivement, aux ISAE, ça n'existait pas, mais il y avait quand même de l'action sociale à l'époque. Moi, j'avais fait du soutien scolaire, j'avais donné des cours à des gens qui étaient en difficulté, niveau collège, lycée. Et puis voilà, et puis un petit peu plus tard dans la vie active, quand OZ s'est matérialisé, bah, moi ça m'a fait hyper plaisir de les rejoindre parce que moi j'estime avoir reçu beaucoup dans ma vie, j'ai eu de la chance, le système éducatif m'a donné plein d'opportunités et je pense qu'il faut essayer de renvoyer l'ascenseur, il ne faut pas garder tout pour soi, il faut être un peu solidaire. Ce que je fais en tant que parrain, c'est surtout essayer de dire plus généralement, mais essayer de parler aux jeunes, de leur dire que rien n'est impossible, qu'il faut se lancer, que si les gens ne les accompagnent pas autour d'eux, ben nous on essaie de les accompagner ou de leur montrer des exemples, des chemins, des voies, de les aiguiller, de les encourager. Pour moi, c'est vraiment une des choses les plus importantes. On faisait des contacts radio-amateurs depuis la station spatiale avec des écoles ou des villages. On a eu un village de Guyane complètement paumé qui avait fait une demi-journée de pirogue pour venir faire un contact radio avec nous. Et puis ils se sont retrouvés dans une cuisine, assis autour d'un iPhone en mode haut-parleur. Et donc on discutait, ils m'ont posé plein de questions, donc c'était quand même un peu surréaliste. Et puis surtout de les rencontrer après, c'était vraiment chouette parce que ça permettait de boucler la boucle. Et on peut habiter dans un village paumé au fin fond de la Guyane et puis quand même grâce à l'école, parce que c'était aussi grâce à leurs enseignants qui faisaient ces activités-là, faire des voyages, découvrir des choses, toucher des choses du doigt, et je ne sais pas quelle trajectoire ils auront, mais j'espère que ce petit moment passé ensemble, peut-être ça va les inspirer pour devenir ce qu'ils ont envie de devenir. Et si ce n'est pas astronaute, ce n'est pas grave. C'est facile de censurer parfois dans la vie, on se dit « oh là là, mais ça c'est pas pour moi, ça a l'air compliqué ». Et puis en fait, on se donne pas la chance, très souvent. C'est ça qui est dommage, les gens s'inscrivent pas au concours. Moi quand j'ai fait le concours de pilote, ça donne une formation gratuite et un métier qui est quand même super, et ben, il y avait même pas 1000 inscrits et moi ça m'a choqué, je trouvais ça étonnant qu'il y en ait si peu. Mais c'est parce que les gens se disent « bah pilote, ça a l'air difficile, oh, c'est pas pour moi, moi j'y connais rien », etc. Mais non, le concours il est ouvert à tout le monde, pas juste aux gens qui s'y connaissent. Donc il faut essayer, il faut tenter, il faut se jeter. C'est pas toujours facile, ça peut faire un peu peur. On se dit, j'ai pas forcément toutes les cartes, mais c'est pas grave si on n'a pas toutes les cartes. C'est pas grave. Si on n'essaye pas, c'est sûr qu'on gagnera pas, quoi. Il faut tenter. Si ça marche pas, eh ben, il peut se passer quelque chose. On peut rencontrer des gens, ça peut ouvrir des portes. Dans la vie, on n'arrive jamais, il n'y a pas de chemin tout tracé. On n'arrive jamais à l'endroit où on a prévu d'arriver dès le départ, ça n'arrive pas, les parcours en ligne droite. Mais c'est les gens qui s'avancent, qui se lancent, qui découvrent que le chemin s'éclaircit petit à petit. Puis tiens, il y a un embranchement là que j'avais pas prévu, ben, je vais le prendre et ça nous amène forcément quelque part. Le pire, c'est de ne pas s'engager sur le chemin, de rester à sa place et de se dire « oh là là, tout ça, ça a l'air trop dur, ça a l'air pas pour moi, j'attends, je fais rien ». Et malheureusement, là, après, la vie se charge de faire les choix pour nous, quoi, si on ne le fait pas nous-mêmes. Sur la journée OZ, moi malheureusement je suis pas souvent à Toulouse, mais j'ai quand même participé plusieurs fois. Et ce qui est magique aussi, c'est de mélanger des gens, c'est de voir que t'as des gens qui sont super pointus dans leur domaine et t'as des gens qui arrivent avec des difficultés, avec des peurs, avec des appréhensions, avec des problèmes. Et on met ces gens-là ensemble, on secoue et il en sort des trucs complètement dingues. Je me rappelle qu'on a fait des activités drones, je me rappelle que les enfants se prêtaient au jeu, je me rappelle qu'on a fait de l'escalade et qu'il y avait des enfants qui avaient quand même des handicaps, des difficultés, qui montaient à la force des bras, à la force du caractère, tout en haut du mur d'escalade, devant tout le monde, avec tout le monde qui les encourageait. Et j'étais super impressionné par ça, parce que moi, je ne sais pas si j'aurais été capable de le faire à leur place. Donc, il se passe quand même des choses magiques pendant la journée OZ.